Bienvenue dans la suite des aventures de Bleuet. En Allemagne, on poursuit sur la map NF Marche. Puis je finis la mission du champ 78, les amis. Je suis à 98%. Je suis pas pour vous l'avoir fait même en let's play. Ça a été ben trop long. Mais on va finir ensemble. Ça va être plus simple. Parce que je vais vous montrer le champ. Ça doit faire 5 heures, 5-6 heures que je suis dans le champ. Ça m'a coûté une fortune en herbicide. On pourra encore de ça après. Il me reste ça. Il me reste 98%. Il me reste ça. Moi, je dois avoir 40 000 piastres d'engrais d'acheter. On pourra garder un petit coup 8. Coût de l'engrais, là, et 33 000. Et 33 000 en engrais. En herbicide, ça en fait pas mal. Mais en tout cas, 33 000, il va en rester 108. C'est quand même pas si pire pareil. Là. Ça va me donner des sous. Ça va me donner des sous. Je sais pas c'est quoi je vais faire avec les sous. Exactement. Je sais pas si je vais racheter. Je pense que je vais racheter des moutons. On va se racheter un peu de moutons, on va récolter un peu nos sous, on va aller chercher les moutons. On va grossir nos moutons, on va en avoir un petit peu plus parce que on va mettre un petit peu d'argent aussi sur le prêt. On va avoir pas loin de 210 000 je pense. En tout et partout, on va tout récolter ça. On va finir ça, on commence par finir ça. On va finir cette mission-là. On va récolter nos sous ensemble, les amis. Parce que je vais vous dire, ça coûte cher d'herbicide. Ça en prend pas mal. Puis c'est quand même assez long à épandre avec ce champ-là. Toutes les autres champs vont avoir été finis. J'ai fait le champ 54 vraiment hors ligne. Oui. J'ai vraiment fait hors ligne. Puis après ça, j'ai tombé dans le champ 78. Moi, j'ai fait, je pense, c'est 5-6 heures là, en off. À temps perdu. C'est quand même assez d'ouvrage. C'était pas pour vous faire ça en vidéo non plus, mais ça n'aurait pas eu d'allure. Ça n'avait pas d'allure de vous faire ça. J'espère que les problèmes de son sont corrigés dans les derniers épisodes. J'ai pas mal amélioré mon montage vidéo dans tout ça. Là. Aussi, j'espère que tout est correct. Si vous avez des problèmes, des soucis, des petits commentaires négatifs, positifs, n'hésitez pas à me donner un suivi dans les commentaires. Ça me fait plaisir d'y répondre. Je suis très réactif. Puis surtout, quand on a des commentaires, ben, moi, je le prends tout le temps constructif. Pour le prendre constructif, qui c'est négatif, pour le prendre. On va essayer de le virer en positif, comme on dit. Bon, ben le champ est fini, les amis. Hey. Le champ est fini. On va être bon pour envoyer ça à la ferme avec l'autre tracteur. Dans ce temps-là, ouais, j'ai fait tout le trajet pour... Ouais, pas sûr, pas tout. Pas sûr, pas tout. Lui, on va l'envoyer direct à la ferme. Ça fait drôle, ça. Les petits détails du course play et de l'autodrive. Là, il n'a pas sonné. C'est bizarre, l'autre coup, il a sonné. Là, il n'a pas sonné. Ah, pas grave. Bon, on va récolter nos sous. On va récolter nos sous. Ouais, c'est pas compliqué, rester à 121. Ça va nous faire du bien. C'est 121. Moi, c'est sûr que ça me coûte un peu de sous. Ça me donne 220 000. C'est très bon. C'est très bon. On va se payer. On va mettre un petit 50 000. On va rembourser un peu le prêt. On va rembourser un petit 50 000 de prêt. Un petit 100 000. Il va me rester 130. Ouais. On va mettre un petit 100 000 sur le prêt. Tiens. On va rebosser pour que ça vale la peine.
Un petit 100 000 sur le prêt, ça vaut la peine. Va coûter moins cher aussi. On va garder ça. On va sauver ça. On va attendre d'avoir un tracteur qui arrive à la ferme. Puis on va s'acheter des moutons. On va s'acheter des moutons. On va s'acheter des moutons, les amis. J'en ai 20. On va s'en racheter d'autres. Pas beaucoup dans la laine. J'ai pas beaucoup de laine. Trop lourd, trop lourd. J'ai bien sûr le mode. Non, parce que je. Elle l'aime bien parce que tout est regroupé dans ce mode-là. Il y en a qui s'en servent beaucoup pour tricher. Hein. C'est sûr que je peux m'en servir pour tricher. Hein, mais. Moi, c'est pas mon trip d'entrepôt. J'avais mis des balles dans le silage, ça m'a donné des balles d'herbe. Des balles de foin et non des balles d'herbe. Des balles d'herbe, je veux dire. Ouais, on va s'acheter des moutons, les amis. On va s'acheter des moutons. On va suivre un voyage ou deux de moutons. Bon, mes minots capotent. On va s'acheter des moutons. Là, les missions, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont arrivés. Labourage, travail des champs. J'ai pas de bon tracteur pour ça. Travail des champs et le labourage, beaucoup de labourage. Il faut mettre un karcher. On va prendre un autre silo aussi. Je n'ai pas le meilleur des silos. Mais c'est comme je l'ai dit, ça va être l'éolienne en premier. Là, c'est sûr qu'en baissant le prêt, on va faire un petit peu plus d'argent. C'est toujours mieux. Une coupure, les amis, c'est bon. De retour, les amis, de retour. Excusez pour la coupure. J'attendais une livraison, mais en fin de compte, on ne viendra pas chez nous. Bon, voilà, acheter les moutons. On va revenir à nos moutons, comme on dit. Hein? On va aller s'acheter des moutons. Faut pas de tort. Je pense que je ne ferai pas de temps là, dans cet épisode-là. On va sûrement acheter. Deux, trois bennes, une, deux. C'est à coup de 10. Avoir une cinquantaine de moutons, ça ne fera pas de tort. Parce que ça vient qu'il nous en faut. Oh. Je l'oublie tout le temps. Je l'oublie tout le temps. Pas très cher. Hein. Je pense que c'est ça que je vais acheter. Je vais en acheter au moins 3 bennes. Hein. Là, j'ai pas grand mission. Mission de la boue, mission. J'aurais mon champ aussi.
Et pas mon herbe à couper. Ouais, on me refasse de l'herbe. Ouais. On pense à deux, trois affaires en même temps, mais il n'y a rien qui avance. Soit à ta cause que je voudrais essayer de ne pas vous faire un timelapse, c'est rare. Hein? Je vais essayer de les couper un peu. Pas toujours faire des épisodes avec des timelapses, ça aussi. Hein? On va s'acheter deux autres bennes. Il va me rester 120 000. Après ça, on va se refaire encore des missions. On va essayer de se refaire des missions. Peut-être avancer le temps. On pourrait faucher après. On pourrait faucher. Des timelapses, mais c'est toujours mieux. J'espère que vous avez apprécié les vidéos, les amis. Je sais que vous avez aimé. Pas sûr, pas en tout. Bouche. Ouais, on s'en a acheté une autre benne. On va en faire 5 ans. À moins de la remplir au complet, parce que je pense que je peux en mettre 6. On va se rendre. Nous allons en faire 40. C'est sûr que c'est des jeunes moutons. Les arrêts jeunes, parce que si un moment donné je viens avoir la boucherie, ben je vais pouvoir les envoyer à la boucherie. Là pour l'instant, on les prend jeunes, le temps qu'ils produisent. Là en plus on est en hiver, c'est vrai. Faut pas que j'oublie que je joue avec le mode saison. Je sais que la seule activité qu'on peut faire, c'est faucher l'herbe. J'aurais le bois, on pourrait faire du bois, mais le bois n'est pas assez moyen de me payer. Bon, je pense que je vais en remplir, les amis. Ouais, je vais en remplir. On va la remplir. Le table sur, parce que là c'est la seule production que j'ai, ça me coûte quand même pas trop cher, un petit 4000, ça va coûter 5000, puis on va avoir plein de moutons, ça va nous faire un bel épisode relax, tranquille, pas de let's play, pas de musique. Belle petite benne Roland. Pour l'instant, on prend celle-là. Quand on aura les sous pour acheter un camion, ben, on achète un camion avec la benne qui va avec le camion. On y
va plus avec le petit tracteur, à coup de 10. Ouais. Ça, on m'en fait 5 ans. Deux autres voyages, deux voyages et demi. Tiens, ça va bien finir ça. Bon, on est parti chez Mouton, les amis. De toute façon, avec l'herbe que j'ai quand même pas mal d'herbe dans l'entrepôt. Avec ce qu'on a comme un peu en stock. Même si je ferais mes ballots. De toute façon, notre prochain épisode, on va s'aligner dans le prochain épisode. Couper et faucher notre herbe. Pour faire de l'ensilage avec. Pour pouvoir la vendre. Un autre ben de petits moutons, d'achat de moutons. J'adore. J'y joue pas assez cette map-là. Je devrais y jouer un peu plus. Malgré que sur le 22, là, que je parle bien sûr, parce que j'ai joué en masse sur le 19, comme sur le 17. J'ai joué énormément sur cette map-là. Là. Là, il y a des petites subtilités qui est bien le fun. Faut faire absolument du d'électricité pour avoir. Là, j'avais dit que je voulais peut-être acheter une éolienne, mais je pense que ce ne sera pas l'éolienne que je vais acheter en tant que telle. Mais je vais peut-être plus acheter le BGA. Parce que le BGA va pouvoir fabriquer mon électricité. Puis. Surtout donner des sous. On va encore de ça après l'achat des 5 autres. Parce que BGA, j'avais pensé changer. Parce qu'électricité, il faut absolument faire de l'électricité. Puis cette carte-là est surtout basée là-dessus, sur de l'ensilage, beaucoup d'ensilage. En Allemagne, c'est beaucoup de production d'ensilage pour faire du méthane, pour faire de l'énergie. Moi, je suis indécis entre le BGA. On va encore de ça, les amis, puis après ça. Parce que je voulais acheter absolument une éolienne pour l'électricité. Mais c'est investir 300 000, mais pour que 300 000, j'aime ça quand tout est en lien. Hein. Surtout sur ta map-là. Hein. Tiens, il va en manquer 5, les amis. On va aller acheter 5 autres. Les 5 petits derniers. Oui, on va faire un bel épisode. On va acheter ça, puis après ça, on va regarder ça. Parce que faut bien se décoller sur ta map-là. Là aussi, je vous travaille sur une autre série. Là, les épisodes, je ne sais pas comment ça va arriver, si ça va être un par semaine. Moi, j'ai quelques épisodes en stand-by. Là, j'ai eu un...
encore un mal de cou. C'est pas trop trop. Oh, Jojo avec un mal de cou. Avec un mal de peau aussi. Avec ça. Mettons que ça m'a retardé un peu cette semaine. Ça m'a retardé parce que des fois j'aime ça avancer un peu. En off. Puis. Ça a bousculé un peu mon oreille. Parce que farming, j'y joue, mais j'y joue un peu moins qu'avant. J'adore jouer à Satisfactory. Puis là, depuis que j'ai changé mon ordi, ben, je n'ai pas été capable de transférer ma save de mon autre ordi sur mon nouvel ordi. Puis, j'ai trouvé de recommencer. Puis là, ben, j'ai avancé pas mal. Je suis revenu au même point. Hein. Je suis rendu à l'ascenseur niveau 7 et 8. Là. Avancé pour monter l'ascenseur niveau 7 et 8. J'adore Satisfactory. Puis, surtout avec l'update 5, même si le 4 j'ai joué pas mal, l'update 5, j'aime bien ça. Là, il va y avoir encore des changements, là, le prochain update, mais là, ça va. On ne sait pas si ça va être des correctifs ou un update, parce que d'ici au courant de l'année, d'ici à la fin de l'année, ils vont améliorer l'update en santé, tout est beau. Bon. Ça c'est beau. Bon, c'est ce que je vous disais. Première chose, non, pas ça. Parce que si j'achète. Ça c'est le BGA. Il y a un BGA là. On peut installer. Puis on a l'autre BGA qu'on peut installer. Les 300 000. 227. Ça veut dire que si on arrête ça. Après ça, il va rester installé un bunker. Mais je sais qu'on peut s'en servir. Là, je sais pas combien il coûte. C'est ça la paye. Parce que acheter le bunker. Ça c'est 1 million. Si j'arrête ça pis ça. Si ça fabrique l'électricité. Puis l'autre, la petite bonbonne bleue. Moi, je suis jamais du méthane. Puis après ça, ça me fabrique du digesta. Ou. C'est sûr qu'il nous faut des sous, ça c'est sûr et certain. À moins d'installer un petit bunker. Je sais qu'il y a du compost, le compost est payant. On va s'acheter une machine à compost, faire du compost, vendre du compost. Parce que le compost est quand même très payant. C'est le compost, c'est très payant. 1500. Pour faire un peu de sous, puis acheter la machine à compost, faire le compost, puis l'installer à la ferme.
moins de diesel, besoin de rien. Ouais, je sais que je suis passé dans l'air. Au pire, on arrête un peu de diesel, puis on se fait des machines, on va se faire du compost. De toute façon, je vais me faire de l'herbe. On va faire de l'herbe, on va mettre l'herbe là-dedans. Essayer un ballot. Bon, sur ce, merci les amis, puis à la prochaine.